y a plusieurs types de transitions. Il y a la transition numérique, la transition des modèles de consommation, et puis évidemment la transition énergétique, qui est le défi le plus important de nos sociétés dans les années à venir. Alors on se dit parfois, finalement, pourquoi cette transition énergétique, puisque en France, on émet à peu près 1% des gaz à effet de serre dans le monde. 1%, en fait, on a une triple responsabilité. Une responsabilité historique, hein, puisqu'on a accumulé finalement ce carbone et qu'il faut le décarboner. Chaque Français émet 10 tonnes de carbone alors qu'on devrait émettre environ 1 à 2 tonnes si on voulait vraiment être dans une économie décarbonée. Une responsabilité qui est une responsabilité sanitaire. Hein, la pollution, c'est 48 000 morts par an, donc on a une vraie responsabilité sanitaire. Et puis une responsabilité économique. Les entreprises qui réussiront demain, celles qui se développeront, sont celles qui seront décarbonées. Donc c'est vraiment un grand défi, le défi de la décarbonation, voire de la création d'une économie régénérative. Alors la Caisse d'épargne Normandie a été la première banque labellisée Bicorp. Bicorp, c'est un label international qui récompense, qui met en valeur les entreprises qui sont engagées dans le défi social et dans le défi écologique. Donc pour nous, la transition écologique, la transition énergétique, c'est vraiment au cœur de nos priorités. C'est un axe stratégique. Alors il y a trois grands domaines dans lesquels on est actif: les énergies renouvelables, les mobilités douces et l'économie. L'efficacité énergétique des bâtiments. Dans ces trois grands domaines, on est financeur, on est apporteur de solutions. La Caisse d'épargne Normandie a créé notamment le fonds ENR, qui est un fonds national de 1,5 milliard d'euros, qui permet d'accompagner les grands projets d'énergie renouvelable du territoire, notamment en Normandie, les projets d'éolien en mer, de Fécamp ou de Courseul, et puis peut-être demain de Barfleur. Et puis on a créé aussi d'autres solutions, des solutions à nous, comme Kiwai, qui permet d'accompagner la transition énergétique et écologique du territoire en associant les porteurs de projets et puis les épargnants avec une épargne utile au territoire. Alors, on participe déjà parce que c'est une manifestation qui est très importante pour le territoire, vous voyez, qui correspond vraiment à notre ADN et à notre volonté de s'inscrire comme financeur, accompagnateur de la transition. Donc on soutient, en tant qu'entreprise ancrée dans le territoire, toutes ces initiatives qui vont permettre de se tourner vers un monde, le monde de demain, le monde déjà d'aujourd'hui d'ailleurs, un monde décarboné, un monde régénératif. Et puis il faut venir nous voir parce qu'on a des solutions innovantes, en tant que financeur, en tant qu'épargne utile pour les particuliers, et puis en tant que lien social entre justement les porteurs de projets, les épargnants, pour que vraiment on se tourne vers une transition énergétique, vers une transition qui régénère finalement le territoire et qui l'ancre aussi dans le territoire et dans ses dynamiques.